les 7 tours qu'ils auront à accomplir. Le départ, pour l'instant en tête, Pierre Arnaud de l'Entente Athlétique Grenoble. Et là, ils seront remises par Madame Solange Carpentan, trésorière générale, adjointe de la Fédération française d'athlétisme. Troisième, médaille de bronze en 10 secondes et 91 centièmes de l'US Forbach, Thomas Romaigne. D'argent 10 secondes et 87 centièmes de la SC Zénith, Vincent Michalet. Rouge de Zacharia Djezar de la SPTT Clermont-Chamayère Athlétisme. Et pour l'instant, troisième, Omeda Slimani de l'US Créteil. En quatrième position, Youssef Baraï, numéro 22. Attention, 400 mètres! 400 mètres de l'arrivée, ils sont deux pour la victoire. Et c'est Philippe, effectivement, bientôt l'emballage final sous l'impulsion de Maël Alric dans la ligne opposée. Regardez de l'éclat, Albi talonné par Zacharia Guézard de la SPTT Clermont-Chamalières en deuxième position, troisième position. Les places d'honneur sont en train de se jouer de l'US Créteil, Omeda Slimani. Et puis derrière, on tente de faire l'effort pour revenir et accéder au podium. Youssef Djbara, des Mureaux Val de Seine. Il reste 150 mètres, Philippe, à couvrir dans cette finale. Voilà la rivière. On va accueillir dans la ligne droite ce garçon qui a mis une grosse attaque dans le dernier tour. Malric, s'il vous plaît. Le nouveau champion de France junior du 3000 mètres steeple, il nous reste encore 50 mètres, on peut l'applaudir. Il est heureux ce garçon-là. Deuxième place pour Zacharia Djezar. Et la troisième place, avec pour sa part un excellent dernier tour, Omeda Slimani de l'US Créteil.